En ce milieu juin, on note l'arrivée d'un changement de synoptique avec une goutte froide positionnée au large du proche Atlantique, positionnée non loin de l'Irlande, qui va donc stationner pendant un bon bout de temps. Et c'est donc cette goutte froide qui est à l'origine de cette dégradation rageuse qui aura eu lieu pendant le week-end du 18 juin 2023. Et donc pour bien comprendre, ce minimum dépressionnaire, cette dépression, c'est elle qui fait remonter de l'air chaud et humide en provenance de la péninsule ibérique. Et au même moment, la goutte froide avance avec de l'air, une masse d'air beaucoup plus froide qui, au contact de cet air chaud, crée donc ces fameux orages. Alors le premier risque orageux à cause de cette goutte froide a commencé le samedi 17 juin 2023. Avec une première offensive orageuse par le sud-ouest, qui aura été moins fort que prévu, sauf bien évidemment pour les Pyrénées Atlantiques et les Pyrénées Orientales, avec des cellules orageuses organisées, un Arcus. Le risque ce jour-là, à mon goût, était beaucoup trop surestimé pour le sud-ouest, car la plupart des orages ont été quand même très pluvieux et pas forcément forts. Par contre, de mon côté, ce fut une journée de samedi assez exceptionnelle, avec un risque qui était avéré faible à modéré, donc j'avais très peu de chance d'apercevoir des éclairs, un orage dans le ciel. Mais la chance a tourné en ma faveur, et c'est avec justement un petit décalage de la goutte froide qui m'a permis d'avoir de nombreux développements en journée. Et donc, par mon grand étonnement, en plein milieu de l'après-midi, ce sont plusieurs cellules orageuses en ligne qui se sont formées à la suite. Comme vous avez pu le voir, le ciel était vraiment pré-orageux, même dès le matin. Et c'est justement cela qui m'a alerté du potentiel de la journée. Et donc voilà, ces pluies qui se sont formées sur l'Atlantique en milieu d'après-midi se sont vite intensifiées et transformées en orages. Avec justement à l'arrière des premières convections un orage assez modéré qui avait l'air de bien s'activer au radar. Bien sûr, avant cette grosse cellule que vous pouvez voir passer sur le Pouliguen au radar, il y a eu un petit orage sur Saint-Nazaire très faible situé sur l'estuaire de la Loire. Je vous laisse avec ces images en timelapse avant que nous partons en route en direction de l'orage. Puis là, t'as des stries, c'est bien marqué. Moi, ouais. Oh vache, ah oui, à droite. T'as vu? C'est blindé de foudre en fait. Ah. Wesh. Mais non. C'est tombé en air sec. Ouais. Ah ouais, on est dans la fête, là. Ah bah oui. Oh, il est énorme le rideau. Bah et donc pour une chasse surprise, elle était venue qu'on restait. Putain mais what the fuck quoi. Et dire qu'on disait le grand large. Voilà mec, il suffit juste de prendre. Oh là là, magnifique. Ouais, ah je l'ai eu. Mais c'est blindé d'impact. Ah ça a l'air. C'est quoi ce machin? Ah tu me sais, je suis taquin depuis tout à l'heure, tu vois. Elle arrête pas hein. Ah
3. Allez, à gauche. Je vais me faire frotter là. Mais mec, juste à ça. Juste à ça. Ouais, putain, là, voilà, c'est beau, c'est incroyable, putain. Eh bien, t'as vu la structure? T'as vu, elle est belle, hein? Ouais. Elle prend une rotation, on dirait un peu. Waouh, ouais. Ah, c'est propre. Putain. Non, mais quelle dinguerie, là, mais. Oh là là, encore. Ouais. Bam. Sur le côté. Les gars, que des impacts là-bas sur ce dos. Ouah, magnifique encore. Ça n'arrête pas. Blindé de foudre. C'est blindé de foudre, cet orage. Alors, avant de continuer ce spectacle chéronique, j'aimerais revenir sur un type de nuage en particulier que j'ai rencontré avant cet orage. Il s'agit du nuage Asperitus qui est assez rare et que personnellement je rencontre quasiment jamais. Donc ce type de nuage est caractérisé par des nuages en structure ondulée en forme de vague. Ces derniers se forment sur la face inférieure du nuage. Il y a des confusions d'ailleurs par rapport aux formations de ce nuage de type Asperitus, qui est associé en même temps à des stratocumulus ou des altocumulus. Comme nous le montre cette photo que nous avions prise avant de partir en chasse, il y avait bien des aspiritus qui se sont produits à la suite d'une petite activité orageuse convective, la première, du côté de l'océan. Alors il est bien évident que ces derniers se forment, mais quand les conditions atmosphériques instables sont réunies. Donc voilà, et pour finir, ce nuage est aperçu à travers le monde et il est situé à l'étage inférieur des 2000 mètres d'altitude. Et puis ils apparaissent surtout quand des mammatus descendants entrent dans un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, et donc cela entraîne forcément la transformation de leur structure suspendue. D'ailleurs, notre cellule, voilà, que du coup j'étais en train de vous montrer, qui a pris vraiment des tournures assez inédites, puisque l'instabilité ne devait pas être aussi grande. Mais c'est surtout que ce phénomène d'orage isolé devait rester aussi avec une intensité globalement faible. Ce qui n'était pas le cas, car il y avait énormément de foudre et des pluies très soutenues. On a observé d'ailleurs sur Kéronos la présence du coup d'orage avec possibilité d'une trombe marine en mer, même si cela n'est pas vérifiable car il n'y a pas eu vraiment de report avec de photos. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait bien des fortes pluies orageuses. Dessous, il était évident avec quelques rafales de vent, mais c'était vraiment globalement en altitude que ça se passait. Et on a même pu le constater avec le cisaillement présent avec ces nuages qui sont apparus au niveau de l'avant de l'orage. Wow, puis le rideau il est magnifique. Hein. Ouais. Oh là, oh, À droite. Ouais, ça, ensuite. Oh le bordel. Ça tape en air sec, hein? Ouais. Waouh. Combien tu fais peut-être pas en air sec, super. Attends, je ferme la fenêtre parce qu'on sait jamais, tu vois. Oh là là. Waouh. Oh, je suis. C'est propre, ça arrête pas. Voilà, avec pose à l'éclair devant ta gueule, monte normal. Non, cache pas, tant qu'on roule, t'entends pas de problème. Si, voilà, t'as pas de problème. Si, si, on entend. Non, mais derrière le vent. Parfait. Là, à droite, à gauche. R sec ? On est R sec, il y a. Oh putain. Merde, attends, il va commencer à pleuvoir. La mer, ça tape de partout. Ça tape de partout. Oh.
connais pas dans quelle direction tu veux que je regarde les radars? Après la preuve c'est que je suis parce que c'est des dingueries. Mais ça bombarde hein, quand même hein, par toutes les secondes là. Là c'est respectable d'être une boîte pour toi. Là pour juste quelques kilomètres. Derrière, t'as tapé derrière la bagnole. Tiens, sur la glissière. Tu veux dire ça tapé sur la glissière. Ça là. Non. Mais si derrière moi. Oh le truc de malade. Il y a tout derrière. Ah ouais j'ai vu. Oh là là, ça tapait juste à côté là. Et on est au cœur de l'orage. Oh putain. Derrière, t'as tapé derrière la bagnole. Tiens, sur la glissière. Je te jure, ça t'a tapé sur la glissière. Ça a gagné, non. Mais si, derrière moi. Oh, le truc de malade. Putain. T'as tapé derrière. Ah ouais, j'ai vu. Oh là là. Encore. Attention. Ouais, c'est là. Vous avez le prochain impact, je vous l'envoie la tête. Encore. T'inquiète. C'est juste pour le bruit. Voilà, c'est tout. Je gère, Rio. Il est violent, le gars. Ah, il est violent. Hein. J'ai même pas eu le temps de sortir la GoPro, je m'excuse, mais je sens le cul, moi je suis juste à tout. Qu'est-ce que c'est à ça, un truc comme ça, c'est un laser. Ouais, c'est un laser là. Oh la vache. Ah, peut-être là. Ouais, on se barre au nord, ouais, de toute façon. Pour l'instant, on essaie de se barrer quoi. Bah, parce que je vais se faire barrer là-bas. Ah, oh c'est là-bas, magnifique la ligne, C'est rare de voir autant d'impact sur un orage comme ça. C'est vrai. Ouais. Putain, dis donc, ça annonce la couleur pour demain. Voilà à gauche, je pense. Ah ouais, un spot à gauche. À gauche. Là, un peu les gars, c'est chasse improvisée là. Parce que vraiment, on s'y attendait pas du tout. J'espère que ça arrive pas. Armignac. Voilà, là en plus, on a une deuxième ligne. Armignac. Il est Armignac. Oh j'ai pas eu le dernier moment, yo. Bon, c'est pas grave, on va en trouver un là. Là, on va en trouver un. Là, on va sur Salifar là. La Salifar pour les gaz. Ok, nickel. Bon, même si tu trouves un spot avant, on se pose. Parce que là, c'est le moment de. Ça y est, quoi. Putain, de partout. Ça tape de partout, ouais, ça y est. Je sais même pas où aller. Je comprends pas.
C'est sûr, à mon avis c'est ça. T'as vu le conflit quand je t'ai dit qu'on était... Dans la zone de conflit. Ouais, c'est ça qui a fait ça, ça l'a boosté. Mmh, c'est ça. Oh, wow. Ah, ça a pété à droite. En termes d'intensité de fou. Mais y'a pas de rafale là-dessus. Ouais, y'a pas de rafale, bah, ça m'étonnerait. Niveau du sol en tout cas. Niveau du sol, regarde. Ouais, clair. Niveau du sol, par contre t'as vu l'atmosphère, ça se voit. C'est lourd, c'est posé, c'est calme. Après la première journée orageuse, nous arrivons le 18 juin 2023. Après une nuit paisible, hein, les orages sont rapidement revenus par l'océan avec plusieurs cellules. En tout cas, c'est déjà un énorme front pluvieux orageux qui s'étendait à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres à la ronde. Ce dernier ne faisait que remonter avec le flux de sud-ouest, avec toujours une constante activité électrique à cause déjà d'une instabilité grandissante à l'avant et donc de température aussi plus élevée que vers l'ouest. Ouais, il était beau celui-là. Magnifique. Pour cette journée du dimanche 18 juin, le risque était à son maximum. Et c'est donc à partir de cette journée que les alertes rouges se sont enchaînées. Et donc nous avons eu le choix et nous avons visé cette fameuse après-midi du 18 juin 2023. Avec un très beau risque d'arcus produisant des fronts rafales à plus de 100 km/h. Et par contre de la grosse grêle en prévision. Il y avait aussi un risque de supercellules, mais c'était véritablement un arcus qui devait se former dans l'après-midi. Météo France, de leur côté, avait sorti une alerte orange et plusieurs autres sites aussi avec des alertes assez énormes, avec un risque violent. Le modèle arôme envisageait deux salves orageuses, avec d'ailleurs un mu-cape, une énergie convective dépassant les 2000 de mu-cape dans l'après-midi. Mais c'est vraiment entre 16h et 18h que le pic d'instabilité a atteint son maximum avec des orages très virulents. Et on voit bien l'arcus balayer d'ailleurs toute la moitié nord de la France, faisant d'après les modélisations des centaines de kilomètres, et vous verrez que c'était bien le cas. La vélocité et l'hélicité étaient très présentes aussi à son passage. Ce qui signifiait un risque de tornade de 10 à 20% avec ces fameuses rafales de vent puissantes envisagées par un Rome, même si voilà, ce phénomène est localisé. Le point de rosée en tout cas était quant à lui également favorable à un orage de type Arcus, ou en tout cas un système orageux se formant en continu. L'indice, la probabilité de tornade la plus élevée était pour la Normandie, où nous avons beaucoup hésité d'ailleurs à chasser dans cette zone. Sauf que l'orage qui sera passé dans l'après-midi, a priori, était très très pluvieux et nous avions bien fait de ne pas y être. Surtout que comme avait prévu les modélisations, une tornade a bien eu lieu. Contrairement à nous, avec à peine une observation peut-être d'un tuba.
Ok, voilà, 26 km l'orage. Là, c'est bon, on est placé à un premier spot. C'est où le nom déjà? Je sais plus. Pontigny. Ah oui, voilà. Pontigny. Pontigny, voilà, on est vers Pontigny. Oh, la vache. Faut surveiller les radars. C'est bon, Yoyo, il fait les radars. Ok, le bidage. Oh, ça tourne! Oh putain! Ouais. Oh merde! Ouais, c'est le vent. Oh la vache! Voilà où sont les orages par rapport à nous et le point bleu. Ça passe un peu à gauche. Ouais. Mais oh, tu peux la mettre à gauche ou à la bagnole? Après ce premier orage hein, qui passera au Mans, hein, nous avons décidé d'aller directement dans la région de Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire, où nous avons pas mal hésité hein, concernant la suite de notre chasse à l'orage. Et après hein, de longues discussions, nous avons décidé hein, de nous replacer et d'aller en direction d'Orléans à l'avant, là où encore la masse d'air est chaude et où il fait beau. Mais maintenant que nous avons perdu un peu de temps, hein, il faut redevancer hein, ce début de système orageux hein, avec plusieurs cellules multicellulaires qui vont ensuite informer la fameuse ligne et l'Arcus. À ce moment-là, c'était très tendu sur la route hein, et nous nous demandions si nous allions réussir à devancer hein, tout ce système orageux. La pluie était très soutenue et les impacts de foudre parfois tombaient juste à côté. Mais petit à petit, hein, nous gagnions des degrés et les premiers rideaux hein, de pluie furent dépassés. Bah, tu vois, je t'ai sorti des fessiers. Ah, pas encore, et plus encore, regarde-moi. Oh, bah en vrai, tu sais, j'espère qu'on va pouvoir la redépasser, ça va être bon. Laquelle? Celle-là, parce que celle-là, il me semble qu'elle... Ah, elle éclaire à droite. Ça va? Ça va? Bah, elle est tâche. Ça tâche. Ouais, non mais c'est fou ça. Attends. Voilà, super cellule, on a le RFD. Là on a le couloir ascendant. Couloir ascendant, là on a les, à l'avant, on a un peu les stries. On a la grêle. On a la grêle juste là, voilà, la grêle est juste ici. Bleuté, regarde. Wow. Putain, c'est ouf. Je vais pas voir la couleur bleutée là. Si, je la vois, ouais. Là, c'est ce qui passe au nord de nous. Ah, ça tourne, une rotation. La rotation, elle est là. Ouais. Il y a pas plus ici. C'est dingue, t'as vu comment il fait beau? T'as vu comment il fait beau?
Regarde, on reprend, regarde. Regarde, il y a 22 degrés. 22, c'est énorme. T'as vu comment il fait beau encore? Non, mais il y a la chaleur. Il y a chaleur. La chaleur ailleurs. Ah, y'en a de la foudre là-dedans, je filme, hein, y'en a. Hein. Oh putain, oh, encore. Encore une. Oh ça descend, ça tourne. Y'a encore. Encore une rotation. Là ici, juste là à gauche. Regardez, ça descend. Oh putain, y'a un cône. Non, mec. Là je surjoue pas. Vraiment, regardez à gauche de la structure. Mes amis. Ah oh, ouais putain. Ouais, là-bas ça peut toucher le sol. Wow, ça devient un monstre. Oh ce cas d'école. Wow. Oh c'est ouf. Pour sortir de là. Oh là là, attention. Ah il fonce hein, il fonce le temps. Ouais. On le suit, on style, on fait quoi? Mais on s'y de quoi? Non on s'est bouffé hein. Voilà, on pas va le choix. On s'est bouffé, y'a pas le choix. Ouais mais t'as vu le machin? Ah j'ai vu le machin, oui j'ai vu le machin. Oh. Voilà. Waouh. Oh t'as vu comment c'est bleuté en face? Ouais y'a la galère en face. Oh putain. Tu vois les éclairs? Ouais je vois. Waouh. Allez. Non mais on est mort hein. Je vois les radars, on est mort. Elle va rester ravalée, c'est tout.
Ouais, mais la grille là-dessus et tout. Vas-y, on bouge pas, on bouge rien. Si. Là, je sais pas où est-ce qu'on peut aller, hein. Mais attention, si on va à gauche, on. Non, non, ça sert à rien, on peut pas bouger là. On va se mettre à l'abri. On va se mettre à l'abri, je sais pas. Ouais, je vais essayer de faire. Vas-y. Allez, fais-moi, moi d'abord. Ouais, non, mais à gauche, faut aller à l'instant, lui aussi. À gauche. Fais-le à l'instant, faut aller à l'instant. On s'y fout. Ah, mais l'instant, il y a avec le sens aussi. Ouais, avec le sens. Bah, il y a plein de voitures. Ouais, oh putain. Oh, ce monstre. Il y a le tornade dedans. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu peur. J'ai vu les radars, je me suis dit qu'on se casse, je sais pas, qu'on cherche un abri. On a une tornade dans le truc, chérie. Ça commence à avoir une vie, ça me choque. Clocher peut-être. Ça peut être sur le clocher. Ouais, évidemment. La grêle. C'est la grêle. Oh, bordel. Ouais, regarde, regarde, regarde. Ouais, tu vois, ça y est. Regarde, les voies qui t'arrivent. Oh, l'activité électrique. Oh, ouais. Oh, on est en roue libre. Je peux avancer. Oh, oh la vache. Tu ne veux pas. T'inquiète, je ne veux pas. Oh, ok. De la ville. Oh, c'est une ville fantôme. On voit rien, on voit rien. Oh putain, stop. On voit que dalle. Wow, wow. Oh yo yo yo. Mais warning, je sais pas. Là, bah, bon. Ah, ça y est, ça nous fait. Oh, ça tombe au-dessus. Ça tombe dessus. Oh. Voilà, c'est bon. Oh, encore. Ouais, ça pète au-dessus. Hein. Là, ça pète au-dessus. On voit plus rien. On s'attroule. Mec. T'en vois rien, mais je commence à trouver. Wow. Ouais, putain. Et bon, on part par terre. T'es sûr? Tu veux pas attendre que ça passe? Wow. Oh, c'est inondé! Wesh! On était bien sous le pont, dommage! Bip! Ah, l'adrénaline là! Oh là! Oh, impact! Tu l'as vu? Ouais. Waouh, magnifique! Bien joué! Regarde. C'est par là, l'orage est passé par là, là, franchement. Putain, il y a un peu de débris au sol. Oh, la vue! Attends. Oh mec, la vue! C'est là où il y a l'impact! Ça impacte! Oh, on a une vue de fou. Faut qu'on reste là, je pense. Mets-toi là, prends juste une... Putain. Wouah. Est-ce que je pourrais payer un peu l'essence ou la bouffe? Je peux le faire à gauche. Ouais, on va mettre un peu d'essence, la bouffe, tant pis. Là. J'ai un t-shirt resto, de toute façon. Ah non, bah non. Alors, confirme. On s'est fait taper plusieurs fois dans la journée avec un orage au cul. Et à la fac, tu étais pas loin de la bagnole encore une fois. C'est arrivé deux fois, ça. Ouais, deux fois, mais ce matin, à chaque fois. Et ça fait des lits. En fait, où t'as la fin, t'es tombé à quelques mètres de la bagnole, quoi.
Et c'est sur l'autoroute qui fait peur. Mmh. Ah bah il y avait oui, bah, c'est... Et vous, c'est à quoi? On est dedans. Wow. Ça t'a pas combien de kilomètres? Hein? 4. Oh, comment ça klaxonne? Hein? Ça klaxonne. Ouais. Ouais. Derrière. Oh, impact. Je peux laisser tout le mal tout. Où il est? Oh, tracé. Oh. Ouais, d'accord.
C'est quoi ce machin? Voilà, dernier moment. Ah ouais, on voit bien. Hein.